Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une nouvelle présentation d'oracle. Aujourd'hui, il s'agit de l'oracle Antinomos Animalis, créé par Antoinette Charbonnel, que vous connaissez sûrement déjà. Je vous mettrai en barre d'informations le nom de son compte Instagram, le lien. Et puis, je vous mettrai aussi le lien pour retrouver l'oracle sur la boutique MPC. Alors, je l'ai acheté en précommande sur le site d'Antoinette, mais aujourd'hui, il est disponible sur MPC. Alors, on va voir tout ça ensemble. Donc, c'est un oracle auto-édité. Hein. Les éditions Sorbier sont les éditions créées par Antoinette. C'est un oracle de 61 cartes. Il n'y a pas de livret. Vous allez voir, tout est sur la carte. Il est très beau. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime autant la qualité des cartes. J'aime beaucoup cet aspect... Je ne sais pas comment on appelle ça, la qualité de la carte en fait, hein, le grammage et puis le côté plastifié un petit peu qui fait que ça se mélange super bien et que ça s'est protégé aussi en cas de bah, quand on renverse son thé ou voilà que voilà. Il y a toujours des petits accidents, ça arrive. Je sais que c'est une carte avec cette qualité-là, puisque j'en ai d'autres de ce type-là. Qui dure dans le temps. Donc ça, c'est appréciable. On n'est pas sur un carton tout fin, voilà, qui peut s'abîmer assez rapidement. Et puis, je le trouve très intuitif. Je l'ai déjà utilisé, donc lors de la review, les cartes ne seront pas forcément dans l'ordre, ce qui n'est pas très gênant pour pouvoir les observer. Mais il se marie très très bien avec un tarot. J'ai essayé hier soir, lorsque je l'ai reçu, j'ai essayé avec un tarot. Ça fonctionne super bien, ça vient clarifier la carte. Je trouve qu'il est vraiment, il fonctionne bien. Et je l'utiliserai prochainement dans mes guidances astro sur ma chaîne principale. Alors on est parti, on va le découvrir. Je vais vous lire quand même au dos ce qui est indiqué. Auteur et illustratrice Antoinette Charbonnel, un jeu destiné à vous offrir les messages de la nature et de ses alliés. Alors, donc une boîte cloche. Au niveau des cartes, on est sur un format tarot. Voilà le dos. Les tranches sont classiques. Et les illustrations. Donc les illustrations vont prendre toute la carte. On va retrouver en haut le numéro, le nom. Donc l'animal ou le végétal en fonction. Et des mots-clés. Hein, vous avez à chaque fois 5 mots-clés. Donc c'est un oracle très intuitif, facile à utiliser et en même temps on peut aller vraiment faire beaucoup de choses avec. Alors au niveau des couleurs, vous voyez, vous allez retrouver les couleurs des chakras. Ça vous donne aussi des indications. Hein. On peut aller plus loin aussi dans ce sens. Si vous aimez travailler avec les chakras par exemple, vous le pouvez. Mais de toute façon, en barre d'informations, je vous mettrai le lien d'une vidéo qu'Antoinette a fait très récemment pour justement expliquer un petit peu comment... on peut utiliser son jeu. Elle expliquera beaucoup mieux que moi la façon de, voilà, de procéder et d'aller un petit peu plus loin avec les cartes. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la review. On va regarder les cartes une par une. Thank you.
Alors, pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous proposer deux cartes. Donc, vous pouvez prendre les deux, vous pouvez prendre celle qui vous attire le plus, tout simplement. Et je vais laisser les mots-clés vous donner le message, en fait, puisque chacun va recevoir ce qu'il a à recevoir. Donc, écoutez votre intuition, écoutez la première chose qui vous vient à l'esprit, finalement. Ça va laisser émerger quelque chose, ce qu'il y a à savoir pour vous. Alors, on va prendre deux cartes. Voilà. Donc, je vous laisse prendre un temps pour choisir. Et on est parti. Choix de la carte 1. Vous avez la girafe. Perspective, lumière, élégance, optimisme, adaptabilité. Choix numéro 2. Le hibou. Logique, bon sens, réadaptation, perspicacité et clairvoyance. Voilà pour cette petite review. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.